Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Zoners. Nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui du système VIP qui est arrivé hier dans le jeu, que évidemment j'ai pris, mais en gros j'ai vu pas mal d'avis sur Twitter, sur Discord, etc. qui en parlaient. Et du coup je me suis dit je vais vous faire une vidéo parce que parce que c'est une nouveauté en soi, et en plus de ça parce que étant donné que je teste pas mal de jeux mobiles, j'ai l'habitude de voir passer des systèmes VIP comme ça. Alors c'est VIP hein, pour les Américains, mais ici on est en France, du coup on dit VIP, désolé. Donc je vais vous filer mon avis concret, moi ce que j'en pense pour le jeu et ce que j'en pense par rapport à d'autres jeux où y a déjà ce système VIP, et où du coup le système est assez simple en fait hein, c'est comme tous les jeux, c'est à dire que plus vous mettez d'argent et plus le niveau VIP augmente, et plus grosses sont les récompenses, on va dégager ça. Est-ce que je peux pas d'ailleurs level up un mur? Non, il manque encore des briques, dommage. Parce que je suis en train d'essayer de finir ma salle en 3x3 en T5. Normalement, je pense fin de semaine prochaine, c'est fini. Il faut juste que je fasse brûler des trucs et tout pour faire des briques. Et c'est quasiment tout ce qui manque. Donc, le système VIP, en plus de ça, on va aller checker du coup la zone. Et on va checker ensemble les paliers. Et du coup, hop, on va courir. Les paliers VIP, on va les découvrir ensemble, même si, bon, je pense, juste ouvrir votre jeu, à les lire, je pense que vous savez tous et toutes lire, sinon c'est compliqué de jouer à un jeu vidéo. Mais voilà, donc le premier palier, en gros, on a juste un sac à dos, on a accès à la zone VIP, on a accès à la roue de la fortune, on a accès au marché noir, on va aller checker ça. Et voilà, après, il y a quelques buffs qui sont plutôt sympas. J'en voyais que le VIP level 3, on a 10% d'énergie en moins pour voyager sur les terres désolées. Les terres désolées, c'est uniquement le solo. Il faut savoir que le pass VIP ne marche qu'en solo. Voilà, donc c'est un truc qui est bien. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, hein, sur la Zay, il y a beaucoup de versions hack, de gens qui glitchent le truc et tout comme ça. J'allais dire beaucoup de gens sur Android, sans vouloir me mouiller en disant ça. De toute façon, pour moi, c'est la faute des devs hein, depuis le début du jeu de ne pas avoir sécurisé le jeu et de ne pas avoir de sauvegarde en temps réel. Mais c'est un autre débat, on ne rentrera pas là-dedans. Donc, le pass VIP ne marche uniquement en solo. Et tous les trucs de boost et tout que vous allez avoir, genre vitesse de production des établis, des terres désolées augmente de 10%, c'est que en solo, et tant mieux du coup que ça n'affecte pas le multijoueur, même si du coup c'est un peu chiant parce que les gens qui achètent des packs en multijoueur et qui voudraient avoir les bénéfices en solo, ils l'ont dans le baba. Ils peuvent pas s'en servir, ils ont pas d'avantage par rapport à ça. Après le level 4 en vrai a pas l'air incroyable. Le level 5. Plutôt cool, on a accès à l'établi de bricolage, je sais pas ce que c'est, et vu comment c'est cher, je vais vous donner à peu près les tarifs qu'il faut pour atteindre les paliers. C'est relativement cher, en vrai. Donc ça, autant vous dire que le VIP level 5, il pense pas y arriver un jour, mais voilà, après il y a le VIP level 6, pas ouf non plus. VIP level 7, section spéciale au marché noir, vous allez voir que le marché noir, ça peut être sympa, mais c'est aléatoire, c'est un marché. Voilà quoi. VIP level 8, meilleure fourniture médicale à l'infirmerie, ça je sais pas du tout ce que c'est, et vu que c'est à des levels très élevés, je saurais probablement jamais ce que c'est. VIP level 9, j'entends le chat qui fait des bêtises de l'autre côté. La vitesse de production d'établis des terres désolées augmentée de 10%, donc ça c'est plutôt cool. Viens là, qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise? Je suis en pleine vidéo là, incroyable. VIP level 10 du coup, là le truc qui est cool, c'est qu'il y a un skin exclusif. Bon, le problème c'est comme d'hab, hein, le skin il marche pas en multijoueur. Pour moi, des skins uniquement en solo, c'est sympa, mais tu peux pas te la péter, tu peux pas être fier d'avoir un skin. Mais voilà. Eh? Je le vois se rebarrer, il va aller casser les cacahuètes. Et après, du coup, toujours des petits buffs, hein, de, on consomme moins d'énergie. Et après, il y a un truc qui est incroyable, c'est-à-dire que là, pour arriver au VIP level 10, il faut claquer à peu près, je crois c'est 350$ dans le jeu. Si vous prenez les packs en promo là, parce que sinon c'est plus cher, je crois que c'est genre 500-600 balles, si vous prenez pas les packs en promo là. Donc, en soi, un skin à 500-600 balles, je vais pas cracher sur d'autres jeux ni donner de nom, mais il y a plein de jeux mobiles qui ont des skins à 500-600 balles en termes de coût.
pour moi, c'est pas choquant. Je sais que ça peut choquer évidemment parce qu'on parle de la moitié d'un SMIC en fait, d'à mettre dans un jeu vidéo juste pour avoir un skin dans un mode solo où il n'y a pas de compétition. Et où en plus de ça, il y a plein de gens qui parlent dans ce regard, le système support, il sert absolument rien, mais bref, c'est pas grave. Mais voilà, donc après, évidemment, il y a d'autres bonus. Hein, vous voyagez, je crois en tout, il y a genre 50% d'énergie en moins, plutôt propre en vrai. Il y a de l'expérience gagnée, mais bon, sachant qu'il n'y a jamais de nouveau level, bah voilà quoi. Et après, il y a des buffs dans la zone VIP, des trucs et tout, comme ça, et voilà. Et ensuite, le système prestige, en gros, c'est une fois que vous avez atteint le niveau 10, si vous achetez assez de packs et que vous gagnez autant d'expérience qu'il en faut au niveau 10, sachant que ça augmente de 50 à chaque fois, et que bah, du coup, bah, ça, au bout d'un moment, ça coûte relativement cher. À chaque fois que du coup, vous achetez l'équivalent du level 10, au-delà du level 10, vous avez accès à la carte prestige qui en gros est giga mieux. Vous avez une arme spéciale indestructible pendant une heure par jour, c'est giga pay to win. Les objets et les cacherois dans les lieux nôtres sont transférés à la zone VIP, ça, je comprends bien le truc. Du coup, c'est genre vous lootez des trucs et c'est envoyé directement à la zone VIP, ce qui est archi broken. Clairement, c'est à dire que le système de sac à dos pour les pay to win ne sert absolument plus à rien. Genre vraiment, vous pouvez absolument tout looter dans les zones. Il n'y a plus à s'emmerder à se dire, parce que moi je galère à chaque fois, je suis en mode bah je vais prendre le fer. Mais en même temps, bah des fois vous trouvez une arme à feu, vous trouvez des tickets pour le bunker, vous trouvez des trucs et tout, vous dites bah tiens, ça peut servir pour une prochaine saison. Et bah les VIP, les pay to win n'auront plus problème et voilà. Donc en soi, moi ça me choque pas, un système VIP comme ça, ça me choque pas. Attendez jusqu'au bout que je vous explique à peu près tout. Ça me choque pas, ça existe sur plein de jeux mobiles, je vais pas citer, mais DFK Arena, c'est énormément populaire en Asie ce système de... Non, te frotte pas le micro par contre. Dis bonjour avec la patte. Tu veux pas dire bonjour? C'est chiant, il veut pas dire bonjour. Eh, t'as marché sur le câble. Non. Et bref, ce système là, VIP, je vais relever le cap pour pas qu'il se frotte. Ce système VIP là, c'est ultra populaire dans des jeux en Asie. Certes, c'est très pay to win, mais en général, le truc c'est que la plupart des jeux vous permettent, bah, via des quêtes quotidiennes, via des ça va, t'es pas collant toi, via des achievements, du coup des exploits quotidiens ou à la semaine ou au mois, etc., d'obtenir des points VIP. Et là, on a aucune autre façon d'obtenir des points VIP autre que bah en mettant des thunes dans le jeu. Et pour le coup, du coup, je trouve ça un peu dégueulasse parce que normalement tous les jeux qui ont un système VIP, vous avez forcément, et vraiment tous les jeux, un autre moyen d'obtention de points VIP pour augmenter votre level et tout, et là il y en a pas. Donc je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement pay to win. Et voilà, mais s'il y a des gens qui veulent se faire plaisir et tout, parce que bah il y a des skins, il y a des bonus, il y a des avantages, etc., bah que les gens se fassent plaisir. Mais voilà, donc je vous montre la zone VIP, mais j'ai pas accès à tout, du coup bah là c'est le marché noir. Pour le marché noir, du coup il faut obtenir des jetons, et les jetons on les obtient en faisant des tirages à la grande roue. Et du coup bah si vous êtes plus haut level, vous avez plus de récompenses, et en même temps je crois que vous avez plus de tirages ou des tirages journaliers en plus ou quoi, je sais plus exactement comment ça se passe. Donc, on va faire un petit spin. Hop. Et du coup, bah, c'est ici le seul moyen. Alors, Mystery, hier j'ai eu 5 grenades. Je suis désolé, hein, si le son il est dégueulasse. Juste, j'ai augmenté. J'ai levé le micro de fou pour pas que le chat s'y frotte. C'est pas, voilà, comme ça en fait. C'est là, vous voyez, il va se frotter au micro. Hier j'ai eu 5 grenades. Aujourd'hui, 20 barres d'aluminium. Et en vrai, ça me sert à rien. Les barres d'aluminium, je les jette, mais 20 barres d'aluminium, c'est propre. Ah ouais, il y a un truc aussi que j'en ai pas parlé. Et là, c'est pareil, hein, c'est du jamais vu. Et ils ont eu un culot monumental de faire ça. En gros, vous voyez, en bas, il y a écrit durée du statut, 6 jours, 5 heures. Moi, j'ai mis juste 1 euro dans le jeu. J'ai même pas mis 1 euro. D'ailleurs, j'ai mis 99 centimes. Juste acheter un réanimateur pour tester ça à l'arrache. Et voir ce que ça donnait tout. Parce que déjà, je me suis connecté hier, il y a eu la mise à jour. Et on m'a dit, ouais, faut mettre de la thune pour activer le VIP. Et j'étais en mode bah comment ça, parce que moi je m'attendais à un truc accessible à tout le monde, et genre bah forcément si tu pay to win tu le montes plus rapidement, mais je m'attendais à un truc accessible à tout le monde et que bah on allait avoir je sais pas la prochaine saison ou des trucs ou quoi comme ça, on allait avoir des points gratos, ou peut-être qu'ils allaient mettre un système d'achievement via le bunker en mode bah vous faites le bunker 10 fois, vous récupérez je sais pas 10 points VIP, voilà, même un truc même minime, au moins qu'on puisse le monter en free to play quoi. Et bah pas du tout.
Donc voilà. Et en fait, comme vous voyez en bas, durée du statut, donc en gros, une fois que le statut est fini, il faut remettre de l'argent pour re-avoir accès aux avantages qu'on a, parce que du coup, là j'ai mis 1€, donc dans 6 jours et 5 heures, je perds le sac à dos, je perds accès à la zone VIP, je perds l'accès au marché noir, je perds l'accès à la roue de la fortune, et je suis obligé de remettre le montant minimum qui dans le jeu est d'1€. Je crois qu'il n'y a pas de pack en dessous d'1€. Donc je suis obligé de remettre 1€ toutes les semaines pour avoir accès au VIP, voilà. Ça c'est le shopper, j'ai pas vu qu'il était là d'ailleurs. Excuse-moi, tu pourrais peut-être te photo au micro? Les gens ils vont râler après. Voilà, hop, reste là comme ça. Donc ça c'est le shopper. Eh s'il te plaît, regardez. Même lui il a pas accès au VIP. Ça va ou pas? Théma il bout tout le temps on dirait. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Il y a un laboratoire, il y a plein de trucs, mais je peux pas vous le montrer et probablement vous le verrez jamais. Oh, objet tenu. Attends, je peux réclamer des baies à l'infini? Oh, il y a des carottes aussi. Parce qu'en fait. Ah, revenez plus tard. Ok, donc là il y a une limite. Ouais, génial, je veux juste des baies. Là, il y a une limite. Mais par exemple, pour les bouteilles d'eau, moi je l'ai fait. J'ai rempli du coup mon stockage de bouteilles d'eau. Ouais, j'étais mal à taille du rat, c'est moi. Pour profiter du coup du VIP. En fait, le truc c'est qu'on a des bouteilles d'eau à l'infini. Attendez, est-ce qu'il y a chaque sport à la main? Je vais switcher demain pour cliquer sur la tablette. Et en fait, il y a bouteilles d'eau à l'infini. Du coup, je vous montre ça en vidéo et je pense que les devs vont le patcher parce que quand tu fais un système VIP et qu'en plus de ça, tu peux perdre le statut du système VIP, je pense que t'es vraiment en mode crevard, hein. Mais ouais, en soi, comme je dis, ça me choque pas qu'il y ait un système VIP, VIP. Attendez, deux secondes, je vais descendre le chat. Allez, c'est ton heure a sonné, désolé, parce que le micro, il se bat en couille. Déjà qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, la qualité du micro et tout, c'est pas fou. » Bon, bref. Le système VIP me choque pas. Le seul truc qui me choque, c'est pas... On peut pas l'obtenir. D'ailleurs, attendez, je vais aller en multijoueur. On peut pas l'avancer. En faisant des quêtes quotidiennes, en faisant des exploits, des achievements, des trucs comme ça, etc. En faisant des succès ou en faisant des trucs quotidiens ou autre, on peut pas l'augmenter, donc ça, pour moi, pue la merde. Et après, ce qui pue encore la merde, c'est que vous mettez de la thune, genre là, comme je disais, il y a des partenaires qui ont mis 350$ avec les packs en promo, du coup c'est quasiment le double si jamais les packs sont pas en promo. Du coup les mecs vont devoir remettre de la thune toutes les semaines pour récupérer leurs avantages qu'ils ont déjà achetés. Et en plus de ça, le prestige, je crois, il y a un mec qui avait dit que c'était 10$ à claquer par semaine, ou plus que ça je crois. C'est peut-être 10$ en promo, du coup ça doit être 20-25$ à claquer par jour. Pour avoir du coup le système VIP en plus, qui fait... Après c'est peut-être que 10$ par jour. Je crois que c'est peut-être 10$ par jour pour garder du coup le prestige tous les jours. Et voilà, ce qui fait un paquet de clopes et demi, ce qui, s'il y a des gens actuellement vous fumez, vous cherchez un moyen de brûler votre argent, mais de pas vous niquer la santé, mais vous avez quand même jeté votre argent par les fenêtres, vous pouvez prendre le VIP et atteindre le prestige en... un petit bout de temps quand même. Un petit bout de temps. Est-ce que j'ai vendu des trucs ou pas? J'ai rien vendu. Après, je mets tout au plus cher en vrai. Là, le multi, j'en ai un peu plus rien à faire ces temps-ci. Je mets tout au plus cher. Je me tâte à reprendre le multi parce que là, la saison est finie bientôt. J'ai bientôt plus rien à faire sur le jeu parce que laboratoire, je suis 36,5. Là, la saison finie, il n'y a plus de système de points. On va plus buter de zombies, on n'aura plus de points. Du coup, je vais arrêter de claquer des armes au laboratoire. Je vais attendre qu'on ait une nouvelle saison. Et dès qu'il y aura la saison, je reprends le laboratoire. Du coup, peut-être des vidéos ou des trucs et tout. J'irai peut-être faire des tours en multi, faire des tournois ou quoi. Et il se peut que je vous fasse des vidéos de tournois ou autre. D'ailleurs, tiens, je vais aller marcher. Je vais aller récupérer mes quêtes. Par contre, en vrai, c'est propre de récupérer des carottes. C'est propre les carottes. Je dis pas non parce que je suis un peu en déj de... Ah, ça passe par la maison comme ça? Eh, c'était pas comme ça avant. Ça faisait une ligne droite avant. Bref, bizarre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, je voulais juste répondre aux quelques questions ou quoi que j'avais vu au SM VIP. Clairement, je m'y intéresse pas. Hein. Je pense même pas remettre 1€ la semaine prochaine pour ça, clairement. Donc je pense que je vais kiffer le sac à dos pendant une semaine et après il va partir. Hein. Mais ouais, un peu dommage. J'espère qu'ils l'ont sorti, on va dire, en phase expérimentale là. Et que ça sera amené à être un petit peu plus... Enfin, accessible au free-to-play. Je demande pas que ce soit free-to-play, parce qu'évidemment, c'est un système VIP. Mais que ça soit au moins accessible au free-to-play. Et que les free-to-play puissent le grind. Même si les mecs vont mettre
2 ans, 3 ans en free-to-play à grinder ce que des mecs pay-to-win peuvent acheter en 10 minutes, OZEF, tant qu'il y a un moyen de grind de ça et que ça soit accessible à tout le monde. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous redonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. D'ailleurs, je le précise, je voulais le préciser en début de vidéo, je suis un bouffon. Les partenaires n'ont pas d'avantage là-dessus. Il y en a qui ont demandé, moi j'ai pas demandé parce que du coup, quand j'ai vu la gueule du truc, ça m'a gavé. Les partenaires n'ont pas d'avantage. Donc si vous voyez des partenaires qui ont acheté des trucs, qui sont augmentés en termes de level ou quoi, c'est que, j'allais dire, forcément, ils ont mis de la tunasse dans le jeu. Du coup, les devs n'envoient pas de points VIP, n'envoient pas de trucs qui donnent ça, etc. Du coup, ça, c'est tout le monde de le monter. Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Après, peut-être des gens qui... switch sur des versions qui leur permettent d'avoir des points et qui ensuite reviennent sur une version normale, on sait pas, mais bref, toujours est-il que normalement, si vous voyez des gens qui sont partenaires, qui sont affiliés, qui sont, je sais plus combien il y a de statuts différents avec Last Day, techniquement, c'est que c'est eux-mêmes qui l'ont monté, et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, passez une bonne journée, amusez-vous bien, fin de saison à vous, n'oubliez pas, là je vous record, on est samedi matin, vous pouvez aller là-dedans pour voir le timer, du coup ça finit dimanche à 1h du matin, enfin de la nuit de dimanche à lundi, du coup ça finit et voilà, et après du coup bah il y a encore le truc d'Halloween qu'il va falloir que j'aille grind et je ferai une vidéo quand j'aurai de quoi monter toutes les tombes, même si normalement je peux déjà le faire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, amusez-vous bien, passez une bonne journée, 5ème fois que je fais l'outro dans cette vidéo, c'est incroyable, à la prochaine, salut salut, bye bye.